sociaux pour résumer mon expo, ou ça serait plutôt un genre de balade? Pourquoi pas une balade irlandaise? An old man whispered in my ear, 'twas the sad... Une émotion particulière, c'est-à-dire que j'essaie toujours de photographier dans la rue et de rester dans la réalité et de, que ça soit vraiment authentique. Je veux que ma photo reflète vraiment la réalité. Une date qui m'a marqué dans ma carrière, c'est lorsque j'ai pu vivre de la photo en étant photographe sportif pendant de nombreuses années. Et ça, c'est vraiment quelque chose il y a plus de 20 ans maintenant. Justement, le noir et blanc. J'aime beaucoup le noir et blanc parce que ça fait ressortir des atmosphères et je préfère ça à la couleur. Alors un conseil pour les apprentis photographes ou les photographes, c'est d'abord de bien connaître son appareil photo, pouvoir maîtriser et après et laisser passer ses émotions à travers l'objectif. Garder une photo de l'exposition pour moi, difficile. Mais je sais pas, peut-être celle des cochons.